Hello tout le monde, c'est Dr. Murdoch alias Mr. Bacon-Eye. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Oh putain! Oh, ce jeté un sac! Petite dédicace pour nos amis Kiko. GTA V sur Next Gen. Dans un podcast. Et oui, quel jeu, mais quel jeu! Pas du tout connu du grand public. Ouais, c'est. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il faut vous montrer, je sais pas du tout, je ne connais pas du tout. Je ne sais absolument pas que c'est un jeu qui a été fait, édité par Rockstar et développé par la filiale Take-Two Interactive. Non, on ne le sait pas du tout, hein. C'est un jeu qui n'a pas vraiment marché du grand public, hein, ça on ne sait pas. Non, franchement, je vais quand même vous le présenter parce qu'il est pas très connu. Et là, ce qu'on peut faire dedans, c'est, voilà, y a rien à faire. Voilà, que je dis ironiquement. Ouais, voilà. Non mais attends, il se fout de ma gueule. Comment on peut dire des choses pareilles? Oh Ouais. T'as raison, mon bonhomme. T'as raison, avec ta tête de souris. T'as raison de me le dire. Donc GTA 5, hein, nous sommes sur la version, comme vous avez reconnu. Avec les touches Xbox One, et du coup, comme vous avez pu constater, pour ceux qui me suivent, ils le savent bien, vous voyez que j'ai pu récupérer mes données de mon bonhomme sur du GTA Online. Sachant que si vous précommandez soi-disant le jeu, mais de toute façon, en réalité, je vais vous l'avouer, il n'y a pas besoin de précommander parce que vous avez déjà le code à l'intérieur de la boîte, ou vous avez déjà le million de dollars partagé en deux, donc 500 000 pour le solo et 500 000 en online. Qui est déjà fourni dans la boîte, donc c'est le précommandé. Et vérifiez quand même aux abords de vos. Dans les enseignes, etc. N'hésitez pas à trifouiller parce que, en fait, je vais vous l'avouer, j'ai eu le jeu pour 45 euros. Alors que si vous voyez, bah, des fois, vous pouvez le trouver pour 70, hein. Ça pique. Donc voilà. 45 euros, c'est au prix le plus bas que j'ai réussi à avoir dans une célèbre enseigne de hypermarché qui se finit en Our. Voilà. Je n'ai pas dit du tout de marque. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce GTA? Alors, je commence par le online parce que, voilà, il faut que je me retape toute l'histoire. Donc, vous verrez dans l'histoire que je suis au tout début. Et pourquoi je suis au tout début de l'histoire? Parce que je suis en train de réaliser un let's play complet de GTA version Xbox One. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas grand-chose. Et que je veux faire. Je vous montrerai quand même le solo, on va pas. Hein. Et c'est pour ça que, bah, principalement, je vais vous faire que montrer en ligne. Parce que, voilà, c'est là où on verra le plus de choses possible. Alors, start, quand vous faites la carte, et là déjà, il n'y aura pas de couleur. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'il faut avoir connu. Ouais, exactement. La carte. Oh, non, entière! Parce que tout est en noir et blanc! Eh oui! Bon, ça. Mais bon, ils sont pas cons, ils se sont doutés que normalement ça vous rappelait que hein, c'est le désert de Michael, que Trevor, lui, il habite par là, hein. Oui, que non, là c'est le désert de Trevor, que là c'est son aéroport et son associé, Ron, que Michael, il habite. Alors, elle est où déjà sa petite ruelle? Voilà, il habite là, dans sa baraque ici, et que Franklin, maintenant, lui, il habitait dans les quartiers. Voilà, c'était là, ici, et que du coup, il l'a déménagé après par la suite dans l'histoire, blablabla, je sais plus, c'était par là. Oui, ici même d'ailleurs. Ah, c'était juste là. Et ça, on ne sait pas du tout, hein. Et donc voilà, une carte où vous êtes habitué en noir et blanc, donc ça fait très bizarre. Sachant que Lifefruit est toujours de retour. Superbe téléphone. Où vous avez votre logo du crew que vous avez réalisé en fond d'écran de portable. C'est sympa. Les icônes que vous, comme vous voyez, ont été changées, enfin légèrement modifiées aussi. Vous avez, on va aller faire un petit tour chez Alias Travel parce que via le fameux dodo qui est de retour. Et du coup, pour 500 000 dollars, hein, c'est pas non plus négligeable. Donc on va voir peut-être dans des futurs GTA faits comme mes potes habituels. On verra si je le prendrai pour faire un peu plus le con. Sachant que dans le. Bon, après, il y a pas vraiment eu d'autres bagnoles. J'en ai pas encore vu pour l'instant. Mais j'ai peut-être pas correctement trifouillé. Sachant que
En mode online, je fais la flèche du bas parce que c'est online, je suis sur invitation parce que j'ai pas envie d'être emmerdé par des gros cons qui seraient capables de me buter juste pendant cette présentation. De 16 personnes, vous pouvez passer dorénavant à 30 personnes. Donc du coup, si vous voulez réaliser un Harlem Shake tous ensemble dans la ville de Santos, bah, je vous le conseille fortement parce qu'à 30, c'est un sacré bordel. Donc on va aller visiter un petit peu Los Santos. Version HD, version 1080p et compagnie. Donc on va sortir de mon appart pour rejoindre allègrement la maison. On va aller faire un petit tour chez le coiffeur, le barbier. Enfin, parce que vous allez voir que même la pilosité a été allègrement poussée. Là au moins, si vous voulez mettre sur votre bonhomme à tête de con, de la pilosité, vous la voyez. Hein. Alors oui, je pense que vous attendez allègrement à une vue FPS. Déjà le bonhomme il tourne les mains, c'est beau. Et s'il vous plaît, il y a les compteurs aussi. Eh ouais, c'est pas beau ça? Mais heureusement, je suis trop habitué. Alors, on va quand même faire un test. Ah là, la vue FPS, voilà, vous êtes content. Je cours, ouais. Attends, est-ce que je peux le menacer? Ouais. Ah, j'ai mon golden gun. Ok, on s'en bat les steaks. Monsieur, vous voulez un petit coup de hache? Ça va? Non, c'est bon? Ça ira? Salut. Le mec, pas du tout menaçant. Attendez, voilà, le mec, pas du tout menaçant. Alors, ça va? Ça va, ouais. Écoute, non, on va pas lui faire de mal. Non. Non, on va être gentil. On va pas faire de mal. Allez, remets mon bonhomme à la deuxième. Ah, merde, j'avais la bonne caméra. Voilà. Alors, désolé, je vais pas vous montrer beaucoup la vue FPS parce que faut s'y habituer. En passant, je suis pas un gros fanatique, mais je dis pas que cette réalisation est dégueulasse. Au contraire, c'est une première inédite dans GTA. Bordel de merde! Bordel de merde! Et du coup, alors, comme je disais, un petit hommage à Coco, qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, bah tiens, on va aller voir le barbier qui est Mademoiselle Ciseaux, hein, qui fait tout et n'importe quoi avec ses ciseaux. Hey, salut! Ça va? Ok. Bon, salut toi! Je veux changer de look. Mais oui, monsieur, installez-vous, allez-y, faites-vous plaisir. Ah, c'est trop charmant. Alors oui, j'ai une tête de con, hein, ça va. La ferme. Donc, même les sourcils, maintenant, nouveauté, vous pouvez mettre ce que... Bah, voilà, vous pouvez faire un petit peu de... Vous pouvez toucher un petit peu vos sourcils. Mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, lui? Bon, je vais pas toucher aux sourcils parce que. Normalement, j'essaie de me refaire, mais c'est pas évident. On va mettre de la barbe. Voilà, là. Voilà. Vous avez une nouveauté, changer la couleur de la barbe, les poils, la couleur. Et en plus, l'opacité, si ce soit très visible ou si comme si c'était frais de quelques jours. Moi je vais laisser. Moi je ressens. Ma barbe est comme ça. Hein. Pour mettre des lentilles de contact pour changer la couleur de vos yeux. Ça aussi c'est énorme. En peinture. Ah oui, ah là c'est parfaitement d'habit là. Ah là c'est elle lui ressemble mais comme deux gouttes d'eau. Alors là on peut pas faire mieux. Quoique, attendez. Ah! Ça c'est Nabila après l'agression. Donc voilà. Donc la barbe, vous pouvez changer la couleur, l'opacité, et que c'est tout. Et que c'est tout. Oui, et que c'est tout, tu vois, c'est nouveau combo. Etc. Et puis même, pareil pour les cheveux, hein, vous pouvez changer la couleur. Par contre, dans GTA, sur les anciennes versions, c'était classé. Là, c'est remis sous une liste. Mais bon, ça, ce n'est qu'un détail. Et du torse, voilà. La nouveauté aussi, vous pouvez mettre des poils sur le torse. On va essayer, on essaiera. Je verrai bien. J'ai envie de voir sur une femme. Ça pourrait être rigolo. Imagine.
Je savais pas que t'avais du duvet entre tes paires de seins. Ça pourrait être con, mais bon, c'est à mon avis, ils sont loin d'être si débiles et ils auraient pas fait ça. Alors, vous voyez, en bas de la carte, juste à côté, j'ai une icône de téléphone. Au moins, ça vous rappelle que vous avez reçu un petit quelque chose sur le téléphone et c'est Merne qui m'a envoyé encore une mission de merde. Hein. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks? Oh, ouais, attendez. Oui, vous avez envie, hein. Je sais que vous avez envie. Je veux écrire. Est-ce qu'on peut écrire un SMS? Oh non! Je pensais qu'il allait tenir dans la main, moi. Il est nul! Qu'est-ce que c'est que ce teubé là? Donc, vous avez vu le dodo qui avait. On peut changer la pilosité, etc., etc., etc. pour la couleur. Donc, ça donne plus de liberté pour créer votre propre perso. On pouvait le faire avant, bien entendu, quand le jeu est sorti dans le mode online. Mais au moins, ça, on peut être plus créatif. Voilà. Si vous voulez faire un bonhomme plus con que con, au moins là, voilà. Ils ont mis quelques courses supplémentaires. C'est le jeu, enfin le online est disponible dès le premier jour de sa sortie, donc c'est-à-dire depuis le 18 novembre. Donc c'est-à-dire c'est tout frais. Je l'ai pas passé à Munition par hasard. Je crois que je l'ai passé. Ah bah oui, je suis allé trop loin. Vous voyez, je vous parle. Quoique, ça me permet de voir en direct. Normalement, je crois qu'il doit y avoir peut-être des nouveaux tatouages. De mémoire. Je vais vérifier. Parce que pourtant, les tatouages, j'en ai mis, mais après, je m'en battais les steaks. Salut. Ouais. Vas-y, la boule. Ah oui, ils ont. Ouais, ok, ils en ont bien mis. D'accord. On en a mis d'autres. D'accord, bah voilà, bah nickel. Donc ils ont bien mis des nouveaux tatouages. Il y a les braquages aussi qui doivent arriver. Alors là, par contre, je ne sais pas pour l'instant comment ils vont être là, comment ils vont arriver. Je ne sais point du tout. Mais normalement, il est prévu que les braquages soient là. Donc déjà, très bonne nouvelle. Et ce serait un braquage un peu comme dans le mode solo. C'est-à-dire, un peu comme l'effet Destiny. C'est-à-dire, si vous allez être seul, vous n'allez pas être forcément seul. En gros, vous allez être rejoint par d'autres personnes qui vont jouer en même temps. Alors on va éviter la mission. Parce que normalement, le braquage, ce serait peut-être là. Hein? Salut la banque. Je rêve d'une banque qui est sans employé. Il n'y a pas d'employé. On va aller voir. Bah non, on n'ira pas voir. Parce que vous avez autre chose à regarder que de voir un mec. La boulette. Fais chier. Non, je ne ferai point cette activité parce que de 1, je l'ai faite, et de 2, on s'en bat les steaks pour la vidéo. Pardon monsieur ou madame. Non, pardon madame, excusez-moi. Je vois qu'il y a le cinéma. Bah, le cinéma il est nettement amélioré, mais il y a toujours les mêmes films. Par contre, c'est vrai que depuis tout à l'heure, vous entendez sûrement de la musique qui passe. Les 100 nouvelles musiques sont dans toutes les radios là. C'est les mêmes radios. Hein. C'est les mêmes. Et ça, Das Band de Joystick, déjà, elle n'y était pas là avant. Hein. Ça, c'est une des toutes nouvelles qui est passée. Ammunition, c'est ça que je veux vous montrer quand même. On se dépêche que je mette pas un gros vide. Blablabla, allez, on y va. Bon, on y va à la manoeuvre de gain. On sent pas les steaks de se garer, au nom de Dieu! On repasse pas le permis. Hey, salut toi! Comment tu vas? Alors, je vais te racheter des armes. Alors, ce qu'il y a de nouveau dans GTA quand vous allez acheter des armes, forcément. Il y a, de mémoire, on vous propose ce fusil à pompe bullpup à acheter. Enfin, c'est ce que j'ai eu pour ma part en nouveau. Ensuite, le pistolet calibre 50. Vous avez le marteau que vous pouvez acheter. Et vous avez la hachette. C'est une hachette, hein. C'est pas la marque qui fait des livres. Oh, d'accord. Il y a toujours mon mosquet. Et ça, j'en connais un d'un nom de Stikleros. Que je ne connais absolument pas. Qui rage parce qu'il n'a plus son mosquet. Voilà. Oh. Je sais que tout le monde minigun. Tiens, on va le regarder dans tous ses détails. Oh, il m'a l'air beau. Oh, platine, waouh! Ah, quand même! Ouh, tu es si beau la Gatling!
Oui, je tourne en rond avec la Gatling. Oui. Ok, ensemble, c'était rigolo. On s'en bat les steaks. On s'en va, allez, salut, à plus tard. Ah, je peux pas courir dans le. Bon. Ah là 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 là. La Saint-Osque, que tu es si beau. C'est plus de journée. Voilà, on ferme ta bagnole. Et on y va! Donc vous voyez, Los Santos qui est très très beau, modélisé en HD. C'est plus beau que beau. For sale. Ah, ils ont changé les. Ah! Freine! Ah oui, regardez. La petite nouveauté, c'est que, voilà, quand vous conduisez. Alors. Pour le freinage, vous devez apparemment freiner comme ça. Non, non, c'est pas d'arme, voilà. Regardez. Voilà. Oui, il est un peu caché dans sa bagnole. Donc en gros, c'est très pratique si quelqu'un vous mitraille, ben, en mode online, vous vous cachez comme ça. Non, c'est pas moi, c'est faux. Faut faire comme ça aussi dans la vraie vie avec les flics, vous imaginez? Lui, on va aller l'inspecter. Non, c'est pas moi. C'est faux, je suis caché. Voilà, donc ce qui est en jaune, ne me demandez pas, c'est des courses que j'ai téléchargées pour une éventuelle vidéo. Qu'est-ce que je pourrais. On va aller faire quand même un film. Allez. On va aller se faire un petit cinéma. On va aller voir le film. J'espère que je tombe sur les singes branleurs là. Ça aurait été trop con. Mais c'est pour ça que cette vidéo ne va être exceptionnellement pas très longue. Parce que voilà, on connaît déjà GTA, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que ça donne en HD, donc version next-gen. Eh! Oh! Attends, 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 eh, reviens! Reviens, toi! Attendez, eh! Il m'a fait un fuck, hein! Non, mais eh! Eh! Eh, ça va? Tu te rappelles de moi? Allez, pourquoi il tire pas? Ah ouais, parce que là c'est chaud, il faut conduire tout le temps. Là ça le vise seulement et après, yeah! Voilà, j'ai tué. Ah ah! Je t'ai eu! Oh merde, je suis poursuivi maintenant. Oh le coin. Non! En même temps j'ai vu. Ouais mais monsieur l'agent, ouais, mais. Ok. Ah oui, mais monsieur l'arbitre, attendez, il m'a agressé, il m'a fait un deux d'honneur. Moi, je conteste, j'ai dit que ça mérite un carton jaune, monsieur l'arbitre. Oh là là, je conduis comme un porc. Je crois que j'ai eu mon permis dans un choc à pic. C'est bien ce qui me semblait. Ah ouais, je le disais aussi. La carte elle est un peu en 3, vue de 3 quarts, donc du coup c'est un petit peu plus compliqué. Bon, la boutique des vêtements. Alors, je vais vous montrer vite fait parce que par là, pareil, s'il n'y a pas grand changement. Les véhicules, je vous ai montré à peu près ce qu'il y avait de nouveau. Allez! Ouais, c'est bon, je suis parti, je suis. Ah, attendez, il y en a un qui arrive là. On va se cacher. Ouais, là, une petite. Allez, casse-toi! Voilà, t'as raté de me chercher, c'est bien, va être tranquille. Eh, les flics. Ils sont déjà passés? Oh, mais merde! Eh, cassez-vous là, hein? Je montre à des gens votre belle ville, hein? Et venez pas me. Hein? Sinon, je mets un coup de marteau dans la gueule. Le mec ultra. Le meilleur. Alors, moi, sinon, je mets des coups de marteau dans la gueule, hein? D'accord? Attention, c'est pareil, hein? C'est les tenues standards, blabla. Ouais, vas-y, j'ai fait mon. Ouais, vas-y, je fais mon repas, wesh! Vas-y, j'ai fait foncer dans des murs, hein? Ouais, là ça fait bon racaille. Ouais. Ah, nigger. Bon, voilà. Donc, vous voyez les tenues un peu plus beaux.
Les femmes, elles ont des dessins hein, bien, bien foutus, mais c'est pas non plus des boobs super. C'est que ça fait. Allez, on va aller voir un petit film. Hein. Bonjour, je suis une star, je me gare comme un porc. Ouah, ce vent! Oh, ce vent qu'ils mettent! Oh, bande d'enculés! Espèce d'enfoiré! Oui, je vais aller voir un film. Rien que pour vos yeux, rien que pour toi, chez vous. Oh, film by Saint-Louis Crawford. Forme pour ma mère. Oh, c'est mignon. Alors. Oh, mais c'est un dessin animé! Ah, ben non! Là, c'est le truc que tu peux regarder facilement à la téloche. Ouais, c'est bien. C'est cool. Oui, tout ça pour ça. Or. Ah oui, je vous conseille d'essayer un truc. C'est. Vous vous mettez à la première personne. Vous me faites monter une prostituée. Je vous jure, c'est énorme. Mais alors là, il faudrait que je retire des sous. Qu'on aille chercher une prostituée. Je vous montre. J'ai envie de vous laisser la surprise quand même. C'est bien, c'est bien drôle. Donc, bah voilà. On a fait notre blabla. Notre blabla car. On va revenir. Bah écoutez, on va revenir en solo. Hein? Lorsque vous voyez un petit peu Franklin. Oui, que Franklin, parce que je pourrais pas vous montrer Michael et Trevor, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est parce que je suis en train de faire un let's play que du coup, sur l'avancement de l'histoire, je suis qu'au début. Donc, il n'y aura pas de grand-chose de bien à vous montrer. Je pense que rien que pour vous, rien que pour toi chez vous, je vais refaire peut-être le prologue. Ça te dit qu'on va aller au KFC? Ouais, meilleure déclaration d'amour de tous les temps. Mission. Est-ce que je peux refaire? Vous n'êtes pas en mission actuellement. Merde, comment c'était déjà? Attendez, j'essaie de réfléchir vite fait. Putain, je suis perdu. Rejouer la mission. Est-ce que. Oh putain! On s'en fout de. Oh non, c'est. Oh non! Comporte-toi mieux, Franklin! C'est si le. C'est un nouvel épisode des Feux de l'amour. Aujourd'hui, Franklin n'a pas pu avoir plus de couilles que dans les portes jetées de. Taïcha. Taïcha! Taïcha! Écoute-moi! C'est con et stupide. Bon. Ah! Franklin, il y en a un jeu que. Quoi? Ah oui, d'accord. Oui, avec un minimum de. Ah oui, non, mais ce gros con de Lamar m'a foncé dans le cul aussi. Il y a peut-être contestation, monsieur l'arbitre. Eh ben, vous savez quoi? On va jouer le jeu. Je remets Franklin et Lamar. Parce que là. Oui, bah je sais, oh. Parce que là, il y a la musique de tous les temps. Une musique favorite des GTA V. Hein? Pendant que ça charge, pour vous laisser un blanc, et que ça, pour éviter que, justement comme ça fasse un blanc, pour éviter que ça fasse tache. Ah oui, c'est subliminal. Sur Xbox One, le jeu va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Enfin, d'espace requis. Car le jeu vous réclame. Je regarde quand même sur la pochette de mémoire. Oui, c'est bien ce que je pensais aux chiffres. Il vous réclame quand même 45 gigas d'espace libre, plus le contenu supplémentaire. Donc, vous tournez quasiment dans les 46, voire 47 gigas d'espace sur le disque. Ça fait mal aux fesses. Et pour la peine, je coupe mon micro pour vous laisser sur cette cinématique. Smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed.
And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Damn. Et voilà, maintenant on s'est infiltré. Alors, la maison, enfin, la mission. De mémoire, si je pense que vous la connaissez, on prend l'une des deux bagnoles. Tu veux ton KFC? Alors non, je vais pas faire mon badass, je ne jouerai pas en mode FPS pour la mission. Eh ben non, vous avez qu'à vous jouer vous-même. Alors oui, là, des capotes, blablabla. On va essayer de finir premier. Bon, c'est vrai que j'ai réussi pour la mission. Je me cache. Et avant, c'était bien avec l'or, tu pouvais freiner, maintenant, t'es plus... Oh. Bon, heureusement que c'est avec un dégât minimum. Hein. Oui, là, je suis mal barré. C'est étrange comme cette bagnole n'a pas du tout le logo de Audi. C'est tout à fait étonnant. Oh là là, comme il conduit. Ah là là, à la... Oui, en fait, non. Je ferme ma gueule. Ah ah, c'est cru, hein. Normalement, je vais essayer de me rappeler de tous les pièges de mémoire parce que c'était pas, pas évident. Et là,
Oh, allez, petit dérapage contrôlé. Voilà. Non, attention. Genre, on a rien de temps, il m'a rattrapé quoi. Ah, t'es faut pas de ma gueule, les gars. Hop, hop, hop. Hein? Franklin perdu la mort. Oh là là, le vieux troll. Je peux même pas le devancer. Oh l'arnaque. Bouh. Voulez vraiment me quitter? Oui, parce que voilà. Hein, je m'en bats la race. Franklin perdu la mort. Vous foutez pas un petit peu de ma gueule, j'étais en avance. Je connais ce chemin par cœur. Fallait aller tout droit, après on tourne parce qu'on passe par un parking souterrain. Après on arrive près de la banque, là, enfin le truc souterrain. Oh. Moi je dis, il y a du foutage de gueule, les amis. C'est pas correct. Ça, c'est pas bien. Ah, bref. Donc voilà, vous avez pu voir GTA 5. Édité par Rockstar, développé par Tech2 Interactive, qui fait partie de toute façon de Rockstar. Le jeu est facilement, on peut transférer facilement ses données que du online, pas du solo. Et donc voilà, vous pouvez le trouver à 70€ dans le commerce, mais en tréfouillant bien, vous pouvez tomber jusqu'à 45€ uniquement. Le jeu, sachant que le jeu, à toute façon, quoi qu'il arrive, le code des 1 million de dollars, 500 000 pour le solo, 500 000 dans le online, qu'elle arrive dans la boîte. Donc, précommandé ou non, c'est pas la peine. Donc voilà, s'il suffit juste de faire transférer de personnages, voilà, transfert de personnages juste pour le Grand Theft Auto Online sur le console. Et du coup, voilà, ça devient plus simple. Et tout ça, il y a le lien, blablabla. C'est bon, on s'en fout, voilà. Paf. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt, bande de niggers!